I repeat, we have civilians on board. Hold your fire! We are to engage and destroy all enemies in the area. This isn't a drill. This is for real. Don't be a hero. Survival is paramount. Pick off the weak ones first. Landing confirmed at Vector 110. Clear to engage. Enemy facility destroyed. The troops are regrouped and ready to reclaim lost territory from the Erusians in the amphibious Operation Bunker Shot. The plan requires our forces to follow an extremely narrow and vulnerable path from the landing site to the inland objective. This path allows the enemy to concentrate their fire and provides them with a distinct advantage. However, this route lies out of Stonehenge's effective range. Your mission is to reduce troop casualties at the beach landing sites. Et donc de retour pour la suite de ce CS Combat 4 avec une mission un peu à la D-Day, hein, c'est-à-dire le débarquement allié façon avion de chasse et façon moderne. On va devoir taper toutes les forces devant les plages. Donc c'est parti. On va revoir un petit peu au niveau des... Au niveau des avions. Acheter du coup les aircraft qu'on a disponibles. Alors c'est bizarre parce que ça tremble un petit peu. Je vais quand même vérifier un truc parce que ça me paraît bizarre. Ouais, ça sera beaucoup mieux comme ça. Alors du coup, on a débloqué donc le F-18, on l'avait déjà, F-15C on l'avait déjà, on a MiG-29A et je peux vous dire qu'on va le prendre direct. Tout simplement parce que c'est un... Parce que c'est un fighter que j'adore, tout simplement, et pas plus de raison que la passion, lol. Donc c'est parti. Donc on va... Par contre on doit attacher les weapons pour le MiG, donc j'y pense. Rocket launcher, spray de bombe, donc ça c'est du air to ground. Il y en a combien? Multi-fire, une guidée de route. Alors par contre c'est multi-fine, bon on va tester. Voilà, on va l'acheter. D'ailleurs j'en profite pour vendre peut-être un avion. On va vendre un avion. Est-ce que je peux pas vendre par exemple F4E? Ah non, le défaut on peut pas le vendre. Bah le F16 je pense qu'on va le vendre, parce que je pense qu'il a fait son temps. Voilà, comme ça on gagne un petit peu d'argent. Alors, à voir si c'est plus efficace. On va faire 2200 points avant 8 minutes de temps, donc c'est encore du. Headquarters, this is Lieutenant Bales, commander of Unit B at Crown Beach. We do not have air superiority over the beach. This isn't as promised. This is HQ. Friendly fighters are inbound. Continue efforts to secure the beach. Right, do our best, but tell them I'll be seeing them once we land. Over. Clear to engage. Bandit confirmed at Vector 02.
0. Mobius 1, engage. Alors, on va en profiter. Peu de dégâts quand même. On va les taper deux fois. Alors on va tenter les autres missiles, par contre je suis pas sûr d'avoir compris comment ils fonctionnent. Mais je pense qu'en fait c'est pas le bon choix. Cette musique, je la trouve géniale. Franchement. Il 5 minutes. Il me reste beaucoup de missiles et je pense que je me suis fait avoir sur mon choix d'armes. Oh, je suis allé voir avec la mitrailleuse. Facility.
On va les recharger vite. On est loin d'avoir rasé le... Et là on aura des UGBM donc je pense qu'on va pouvoir envoyer plus. Temps et les avions. Et ils arrivent dans la vallée. Chaud. Et si je veux faire des points, il faut que j'aille là-bas. Moi, c'est une minute, ça va être très compliqué. Ouais, 50 sur... J'ai à peine fait le score C, hein, donc je suis vraiment mauvais. Ouais, cette mission là, on l'aura faite vraiment de limite justesse quoi. Oh putain, il est là le radar. C'est parti. Ok, on va se caler derrière, ça c'est pas grave.
Putain, on l'a mis. Missile shot trashed. Fox 2, Fox 2. Good job, Obvious One. A-10, shot down. Ça, il bouge pas trop. Locked on. Postol. Hard enemy radar spike. Ah, en fait, j'aurais même pas dû le tuer, j'aurais dû attendre d'avoir les... Ah, j'ai pas géré. En fait, ici, il aurait fallu que j'attende les jeunes arriver. 10-4, good job. The mission is a success. Unit B commander, didn't you have some message for the pilots? This is Sergeant Collins. I've taken over command of Unit B. Tell them thanks for the supporting fire. Roger, this is headquarters. Mission complete. A beachhead was established through fierce fighting at each of the landing sites. But this is only the first step towards regaining the mainland. The Tango Line is a vital line of defense for the Erujian forces on the eastern mainland. Istis Fortress is a strategic foothold on that line. It utilizes unique terrain features that make it virtually impregnable. Support our troops by attacking and neutralizing the combat power of Istis Fortress. Be forewarned, this will put you within range of Stonehenge. However, your skills should prove to be more than a match for it. Alors cette mission est assez compliquée de souvenir parce que justement c'est une mission, on dirait attaque basique, mais on est surtout dans les montagnes. Et en plus d'être dans les montagnes, on a le Stone Age derrière, donc c'est compliqué. Enfin on a le laser, il me semble, il nous emmerde à chaque fois. Bon, on va regarder ça, sauf qu'on va regarder cette fois-ci les UGBS. J'ai même pas utilisé les roquettes de toute la partie tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Donc 3000 points. Sky Eye here. Et là on change un petit peu d'univers, vous allez voir, c'était sympa. Tout un petit peu dans la montagne. Et oui, on a les radars aussi à péter. Je me demande si ça n'a pas une influence d'ailleurs sur le truc de Stone Age.
Ouais, il y a tout là. Il y a toutes les watchtowers. Vous avez, il y a aussi les. Je les ai mis. Oh, j'ai pas géré. Donc là, faut que je fasse vite. Allez, allez! C'est quoi le fait d'avoir perdu autant de temps au sol, j'aurais pu tuer les avions dès le début en fait, c'est que j'ai perdu du temps. Ouais, il y a beaucoup d'avions, mais il n'y a pas tant que ça à détruire en termes de sol, donc on va aller un petit peu plus loin. Vous allez voir qu'on va arriver dans la frontière de Stone Age, ça va être compliqué. Donc en fait, vous voulez prendre vers le haut. Je disais, oui, on a un trou. J'arrive plus à savoir où faut que je voilà, faut que j'aille là. Ils sont dans des trous. Ah. Ok, ils sont pas loin des trous. Oui, j'ai que 1000 points. Je suis pas très efficace. Hein. Là, il commence à y avoir un peu de tout. Ah mais là ça sert à rien. Ah
qu'est-ce que je fasse avec ça sans déconner? J'y mise tous. On va la retenter. Hein. Bon ça, j'en ai détruit un. C'est pareil, il y a encore un trou, mais en UGBG, je sais pas si j'ai beaucoup. Oh! Non, j'ai rien détruit. J'ai mis tout. C'est pas évident, hein. Ah, je perds trop de temps hein. À essayer de taper dans les trous là. Pas enfin, ce contexte en tout cas. On va aller taper un petit peu sur le côté là-bas. Il y a un point rouge. Bon, à 16 missiles, on du GBS, on va voir ce qu'on peut faire. On va redescendre. On va en profiter pour se ravitailler.
Mobius 1, you are cleared for take. On va prendre l'altitude. Là on est presque au presque à l'objectif hein, des 3000 points. On va plonger vers la troisième partie. J'aime bien le MIH, je sais pas ce qu'il fait. Il nous reste 5 minutes. Ça l'a pas touché, c'est une blague. Ah, les RM sont horribles. D'aller chercher à nouveau le submarine. Je vois tout ce que je peux. Ça m'emmerde cette ça.
Voilà ce qu'on met, 6 UMGBS. Ouais, c'est pas sous-marine, il va falloir attaquer de front. En avion. Et voilà, il faut qu'ils nous emmerdent maintenant cette année. Je fais un autopilote, c'est marrant. C'est 11 secondes. Je vais pas avoir le rang S, c'est dommage. On va essayer de rusher. 3, 2, 1. Je pense qu'il y avait un petit peu mieux à faire, surtout sur la troisième base. J'ai perdu pas mal de temps sur des choses un peu inutiles, mais bon. Ah, c'est déjà bien. Fortress was destroyed. The troops broke through the Tangle line and are now in control of Los Canas. A new field HQ was established in order to spearhead a deeper invasion into the mainland, as well as to attack Stonehenge. Two civilian aircraft flying through the hills region northwest of Los Canas are under threat of attack by Erujian fighters. On board are the engineers responsible for Stonehenge, as well as their families. They are offering information in exchange for amnesty and permission to defect to an ISAF member state. One of the aircraft is flying at an extremely low altitude due to some unknown problem. Your mission is to protect both aircraft from enemy fighters. Make sure they exit the combat area safely. Voilà, donc le genre de mission horrible, les escortes, ça c'est vraiment le plus chiant en fait dans les combats. C'est pas que c'est... Enfin, c'est un peu compliqué quand même parce que c'est très dépendant de l'IA. On va voir ce qu'on a débloqué. On a débloqué un multi-roll, le FA 117 attaqueur, c'est pas mal. Du coup il a pas beaucoup de capacité, c'est dommage. On a le Mirage 2000, on a le R-, je sais pas trop qu'on pourra acheter. Le Mirage a l'air quand même pas mal, il a des XLA, ça pourrait être intéressant.
On va attendre un tout petit peu. Le problème c'est que j'ai des air to ground et je sais pas s'il y a du s'il va y avoir des missiles, des trucs au sol à détruire. Je pense que non, ça va être que des avions. Donc du coup. Ouais non, peut-être qu'on va le prendre. D'ailleurs, petite réflexion, si vous avez vu l'introduction à chaque fois des vidéos. Le gros trou. Le gros trou que vous avez dans le. Sur la carte en fait, et qu'on voit dans la première mission d'ailleurs, c'est le fameux astéroïde en fait qui s'est écrasé sur Terre, et c'est du coup à cause de ça qu'il y a eu le canon qui a été construit. Je crois que je l'ai pas mentionné au tout début. On a que des UGBM, bon bah on va laisser comme ça. Espérons qu'on ait fait le bon pari. Erixium, this is Sky Eye. Please describe your situation. Erixium, flight 702 here. The Russian fighters are closing in on us at 23,000 feet. Please hurry. Flight 701 here. We were shot on takeoff and our captain's injured. This is First Officer Nagase. 10-4, an escort is inbound. Both aircraft maintain your course. Alors j'arrive même pas à savoir où ils sont. Putain, ils sont où? Ils sont où? Ils sont en bas, ils sont en haut? Non, 6000 pieds, 6000 pieds, il va leur monter. Putain, mais. Mobius 1, flight 701's been shot. Attends, ils sont où? je les ai même pas vus, je sais même pas où ils sont. 23000 pieds. Two.
missile shot trashed. Putain. The ISAF fighters engaging the Erusians. And that's one of the good guys? Target hit. Target down. Faut qu'on en stole très vite. Comme il accélère. Putain, il y en a partout. Voilà, en fait on les écarte, c'est parfait. Comme ça on les aide d'aller chercher le... Ouf. Oh la pression. Vous avez vu, c'était pas évident. Hein. En fait, ce qu'il fallait faire d'une certaine manière, c'est pas forcément essayer de buter, enfin il faut les buter à la fin. Mais le fait de les loquer, ils ont tendance à changer leur direction et du coup à ne plus essayer de viser le flotte alliée. Et du coup, ça permet de, voilà, de gagner un peu de temps, mais c'est pas évident. Du coup, on va se regarder. Et du coup, on a fini la mission. Escorte, et on va s'arrêter là tout simplement parce que je sais que la prochaine mission va être beaucoup plus longue, donc on va sortir du cadre des 1h. Donc voilà, on fera, de toute façon c'est pas paquet de 3, vous avez compris qu'on fait les missions à peu près. Donc on se retrouve dans quelques temps pour la suite de Escombat 4. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine.